Allez, bienvenue, et oui, nous sommes dans Horizon France. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous parler du brewer. Ne me dites pas, mais qu'est-ce que c'est? Ben justement, on va en parler ensemble. Alors, on va aller tout simplement dans le menu. Ici, vous avez votre petite barre de navigation. Et ce petit onglet, vous allez voir en restant dessus, c'est marqué Browser. Donc, on va cliquer dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ce browser? On va fermer ça, comme ça évitera que ça lague un petit peu trop. C'est tout simplement un navigateur web. Alors, ça permet de naviguer sur Internet et notamment de pouvoir accéder à des sites voilà, en WebXR, c'est-à-dire que vous avez des petits sites comme peut-être ici Moonrider, qui est un clone de Beat Saber. Donc, ce sont des vrais jeux, pas d'installation. Donc, ça nous permet de diffuser pas mal de petites choses, c'est-à-dire que cette petite fenêtre-là, vous pouvez la déplacer, cliquer ici, et je peux me mouvoir maintenant dans Horizon. Mais comment faire pour que cette petite fenêtre puisse faire ça? C'est-à-dire que vous allez aller d'abord dans votre menu, vous allez aller dans vos paramètres. Oui, je suis en anglais, donc forcément ce sera différent pour vous. Vous allez ici dans expérimental et vous allez avoir, bon, en français, c'est les tâches fluides. Donc vous allez activer l'option tâches, les tâches fluides, donc tâches de fond fluide, c'est-à-dire que je peux mettre ça ici. Regardez, hop, je clique dans le vide et je me balade avec mes fenêtres. Donc c'est quand même assez pratique. Pourquoi c'est pratique? Parce que tout simplement, on va organiser un tas d'événements, comme par exemple, on ne l'a pas fait encore, mais vous pouvez aller sur YouTube, on peut regarder des choses en live en même temps, c'est-à-dire qu'on peut se donner rendez-vous ici pour regarder un événement qui soit sportif, un live Gamergen par exemple, ou toute autre chose, mais Horizon France possède également sa chaîne Twitch. Ici, vous avez dans les petits raccourcis, ici Twitch. Vous allez dans la barre de recherche taper Horizon France. Moi, je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Donc, vous avez ici la chaîne Horizon France. Bon, il n'y a rien qui passe, ne cherchez pas. Mais il arrive régulièrement qu'on s'en sert pour faire notamment les blind tests. Ceux qui ont déjà participé au blind test, et ben, si vous êtes sur la chaîne, vous mettez-la en favori, comme ça, vous la récupérez ici dans vos favoris. Les favoris apparaissent ici. Moi, j'ai le menu en anglais, donc ça ne sera pas marqué. Évidemment, pareil. Vous avez également les soirées qui diffusent la musique à partir de ce petit élément, c'est-à-dire que vous mettez en fait votre écran comme ça pendant la soirée, vous cliquez dans le vide, vous faites ce que vous avez à faire, vous avez le son que vous pouvez gérer comme vous voulez, vous avez l'image s'il y a besoin, et vous avez également plein de petits, voilà, le karaoké, plein de choses qui va se passer comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine sur ce. Ciao tout le monde!